Salut, bonjour, un petit flash info à propos de deux news assez intéressantes. J'étais là sur le site de RexBA, l'ours roi, qui est un blogueur, chatter, considéré comme théoricien du complot, hein, et qui sort là des articles comme quoi, ben, dans la Smart Dust, qui est cette nanopoussière qui peuvent nous balancer par les chemtrails, par exemple, ou finalement l'infiltrer n'importe où, hein, dans l'eau, dans la bouffe, ben voilà. Ils ont donc une technologie qui leur permet de pénétrer au niveau de la cellule, hein, parce que on est là à des dimensions de 500 microns, et de prendre des films de ce qui se passe à ce niveau-là et de nous les ramener. Et ils ont aussi moyen de s'intéresser à un bout d'ADN, par exemple, et à le changer. Voilà. Alors, si pendant. Enfin, s'ils ont besoin, par exemple, de 5 ans pour pulvériser toute la planète et qu'au bout de 3 ans, qu'il y ait des gens qui commencent à râler en disant, mais c'est quoi ces chemtrails? Et que pendant 2 ans encore, les responsables dénient et balancent le système de désinfo habituel, troll, ridicule, dénigrement. Ben voilà que, alors, au bout de la durée, tout le monde est contaminé et tout ira très bien. Il n'y aura plus de résistance. C'est le même plan pour le projet Indigo Skyfall. Fluor plus aluminium plus glyphosate bousille la pinéale rapidement. Rend con. Une fois qu'on est con, on ne se rend même plus compte qu'on est devenu con. Oui, parce que c'est con, bête. Hein. C'est manque d'éveil, manque de réflexe, manque d'idées, manque d'intuition, manque d'initiative, manque. Enfin, je dis manque par rapport à. Alors, toujours pire, hein, bien sûr. Mais pire n'a jamais été une référence pour évoluer, en tout cas. Et donc, voilà, donc ils ont le matos. Ils peuvent faire de la thérapie génique à distance, finalement, sur de grandes populations. Alors, entre ça et le contrôle mental, où on prend l'état d'esprit d'une personne et on le disperse à tout son environnement. S'il est apathique, tout l'environnement devient apathique, mais s'il est en pleine crise nerveuse, tout le monde part en crise nerveuse. Et ça donne l'occasion de balancer une loi martiale, hein, d'intervenir sur la foule, de balancer des lois liberticides, draconiennes, scélérates, comme d'habitude. Donc, il y a ça, il y a ça. Ah oui, il y avait un autre truc aussi assez intéressant. Et je vais vous le mettre tout de suite. Vous savez, on entend des bruits sur la planète, là. Dans plein de régions. That has been up and running for Dans ce Only in the last genre-là. few years have nations had the capability. Et donc, cette dame qui est très chrétienne, nous a trouvé une explication pour ces sons. They are instruments like the Waterphone Megabase, seen here. Which are used in many horror films. They're previously recorded. Elle dit que c'est un instrument dont on sert couramment dans les films d'horreur ou d'épouvante. And piped down to the earth through TTAs, that is Tesla Tech Arrays, aboard satellites positioned over a particular En plus, area. elle And the estime sounds que played directed tout le specifically système de satellites va permettre de relayer les sons et de les satellites. diriger sur des zones localisées, soit pour faire des essais, soit pour faire flipper. Donc, ça pourrait être une explication pour une partie de ces sons, parce qu'on n'a pas eu toutes les variétés de sons là. Alors, elle dit, maintenant, vous savez ce que vous entendez et comment vous l'entendez. Le pourquoi, ben, une psyop. Elle nous fait par la suite tout un panorama de tous les différents présidents ou hauts responsables qui ont parlé des ovnis en langage qui amène plus ou moins Trump aujourd'hui à développer sa Space Force,
Et parfois, non. Parfois, non. Ça, c'est quand Gorbatchev a raconté cette histoire comme quoi, en cas d'agression extérieure, il n'hésiterait pas à porter secours aux États-Unis, et réciproquement. Ce qui correspond aussi à la version, comme quoi la guerre froide n'a pas vraiment eu lieu. Elle a eu lieu pour le peuple, mais pas au niveau technologique et bancaire, en fait, au niveau directionnel. Ils sont toujours débrouillés pour équilibrer les deux camps. Voilà, donc c'était un petit flash double, on va dire. Je vous le rappelle, un sur la Smart Dust et le contrôle mental, le contrôle des foules, et l'explication possible d'une certaine apathie et aussi des populations. Et en deuxième partie, une explication possible pour ces sons étranges et inquiétants, je dois vous le dire, qui, c'est la version biblique du projet Bluebeam, quoi. C'est les sept trompettes. Moi, je vais vous dire, quand il y a les trompettes des anges, on fait la différence. À mon avis, il y a tout qui vibre, mais là, c'est quand même déjà inquiétant. Voilà. Donc, bonne journée, bon courage, salut.